on est reparti. J'aime bien parce que ce jeu, vous le lancez, vous n'avez pas le temps d'aller faire quoi que ce soit à chaque fois. Hein. Ça charge direct. Il n'y a pas de menu, c'est marrant d'avoir fait ça. Il n'y a pas de menu, il n'y a pas genre nouvelle partie, chargée partie. Non, non, ça n'existe pas ça. Pur roguelike du roguelike quoi. Ah tiens, qu'est-ce que ça fait là ça? Qu'est-ce que ça fait là? Je me rappelle plus de ce qu'on avait fait la dernière fois. Je crois que j'étais mort, lol. Je crois que j'étais mort. On va continuer. Augmente la chance de trouver des matériaux sur les ennemis. Touche de piano brûlé. Alors, on peut directement prendre la résine. La dernière fois, on avait fait un cycle, je crois, de plus de 2 heures, genre 3 heures, je crois. Ça s'était bien passé, ça avançait bien, mais on est mort sur un... C'est un demi-boss, même pas sur un boss, je crois. On va essayer de jouer un peu plus... de faire un peu plus attention... Que toi. Non, t'es sérieux? Ouais, ça va pas toucher, ça va. Oh la vache, il est relou. On va essayer de jouer un peu plus mieux. Je sais pas comment on est. Genre on va faire un peu plus attention. On va faire un peu plus attention. Parce que je voudrais bien faire un bon run, mais genre où on recherche, on trouve tout. Enfin on trouve tout. Genre on fait peut-être beaucoup de choses. Là on a le tir, ça marche. Là on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que j'aimerais avoir une seconde hache, un truc comme ça, si c'est possible. Alors, très élevé, vas-y. Alors, carabine, montée en régime 2, charge soumission, renforcée. Renforcée c'est pas mal. Allez on va tester. Ouvrir des containers, 30% de dégâts, intégrité basse, ok, faut pas être bas, ça marche. Ok. Comme ça, c'est juste en courant dessus, c'est tout. Très bien, intégrité augmentée. Cube. On va peut-être pas faire. Ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça déjà? C'est boss? Porte de confinement. Oui, non, c'est où c'est qu'il y a. Oui, il y a un gros combat, quoi. On va attendre. Ok, gros combat. Très bien. Alors, visée mortelle avec vacillement critique. Attends, quoi? Je comprends pas vraiment le mode automatique. Genre on reste appuyé en fait, c'est tout. Tir en mode automatique. Ouais, je crois que c'est en fait c'est tout. Je dirais pas non pour... Même la capsule de bris, c'est un peu de la merde. Encore une fois.
Non! Oh là là, qu'est-ce que ça me vient? Oh mon dieu! Mais ah! J'ai envie de recommencer le cycle, quoi. Ah, j'ai envie de complètement recommencer le cycle en fait. Tellement que. Même le tir de sniper est très très lent. Je vais faire vu des dés de récupération, ça va. Pas vraiment envie de prendre de la vie. Ok, très bien. Ok, c'est pof. Donc je sois plus mobile en fait au lieu de rester tout le temps un peu au même endroit. Genre les tourelles, tout ça. Alors, 50% de dégâts d'armes sont minimisés à ça. Alors, ouvrir un container, plus 2 dés, récupération de mêlée, ça va. Réduire les dés de récupération du tir secondaire de 1 seconde par niveau d'adrénaline, ça c'est bien. On y arrive. Ah, on est beaucoup plus mobile maintenant quand on sait comment jouer. Alors, qu'on fasse attention de trouver de meilleurs matériaux, les ennemis laissent des flaques d'acide. Oh putain, c'est reparti. C'est reparti avec l'acide, quoi. Alors, il suffit de récupérer un peu de résine. On en a là. C'était pas de la résine. On va aller. Du coup, l'arme, elle est pas. C'est vrai que j'avoue qu'elle est pas top top. Bah, faut qu'on soit proche. Ouais, bon. On va voir. Fonctionnement réparé. Alors là, pour être con comme ça, c'est faux. Là, on est dans la compétition. Hein. Là, on est dans la compétition. Hein. Putain, mais même le tir de sniper fait pas de dégâts, quoi. Fait pas assez de dégâts. Mmh.
Oh là là, le gros débile, c'est ouf. J'ai une clé, j'ai... Bon, maintenant on a utilisé des clés et tout, donc on peut pas faire demi-tour. C'est bon. Enfin, quoique, les clés, on les garde pas de toute façon. Ah oui, c'est vrai, putain, je mets 3 heures à utiliser mon coup de mêlée à cause du... Elle fait vraiment pas mal, en fait, mon arme. Un super fusil à pompe. Augmente les chances de trouver des objets nocifs. Alors, attends, c'est quoi ce qu'on a? Je crois que ça c'est la pique. Ouais, ça c'est la pique. Dans un projectile de nuit, on a beaucoup. Le truc aussi que j'ai tendance à vouloir trop faire, c'est essayer de diriger mon saut, en fait, me diriger pendant que je saute dans en l'air, en fait. Vous savez, comme un genre Mario, quoi. Alors que elle a pas de direction, en fait. On peut pas la diriger en l'air. Bien joué. J'aurais pu utiliser l'objet là pour transformer les boules, là, je pense. C'est sûr qu'il y a un moyen de bien le faire aussi, ça. Un endroit qui est plus beaucoup plus propice à être utilisé. Ah, ok. Waouh, c'est quoi ce fusil à pompe de balles? Dégâts de retour, vacillement, éclat croissant. J'ai l'impression qu'on fait zéro dégâts avec n'importe quelle arme qu'on utilise, c'est ouf. Une clé.
ramasser des abolites, c'est mort. Ouais, moins. Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Ok, ça va. Parce que si c'est un... S'il faut acheter, on va être dans la merde. Ouais, faut faire attention. On peut pas faire d'achat en fait. Okay. Je voudrais aller faire la... la salle. La salle qui est confinée là. C'est par là. Ouais. Je suis un peu froid là. Mourir. C'est pas de la tarte. La question c'est est-ce qu'on en est sorti plus fort? C'est la question. Membre fantôme. Oh ça c'est bien ça. C'est de la raison. Oh, là-bas. Est-ce qu'on en est sorti plus fort, grandi, hein? Je pense.
pas complètement certain. Procéder à une réparation automatique à la prochaine dysfonction est plus grave. Ah mais attends, d'accord, c'était pas la bestiole. Réduit le dé de récupération du tir secondaire de 2 secondes. Ouais non, ça m'intéresse pas ça. Le téléporteur. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait tuer, c'est en restant bloqué. D'accord, super. On peut pas aller. On peut pas aller très loin avec le téléporteur. Bon, pour l'instant, ça va, c'est potable. Comoran, je pense que c'est potable. Ok, alors ça c'est quoi ? La puissance de vacillement de 20% chaque parasite attaché, ça c'est intéressant. Infecté. Là on a ça. Intégrité modérée. Juste pour deux éthers, ouais, peut-être, ouais. Voilà. Ok, on est bien. On a 20 éthers, ça va? Ça va, ça va, ça va. Effer. Avec l'accent. Par là, ça on l'a fait. Par là. Très bien, maison. Pas besoin d'y aller. On a ramassé des pièces, ramassé de la résine aussi, ok. Non. Là on a ça qui peut être intéressant, mais vu que c'est un prix assez élevé, on va peut-être voir si on peut pas baisser ça. Mais la putain de toile et... truc qui balance un machin en arrière quoi. Et ça fait un cercle. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est quoi ça? Le disperseur? Non.
encore. Fait un bordel monstre. Mais bon, c'était des pièces. Non, toi, j'ai eu un appel, mais pas intéressant. Alors, ramasser la résine et des pièces. Voyons quoi. Un essaim tracker. Ouais, non. Ah, c'est une carabine, je vois pas pourquoi je disais c'est un tracker. La résine aussi, il faudrait 3 éthers pour l'enlever. Parce que ça va me gaver. Bon, ça va là, on a un peu repris là. Ok, ça c'est pour activer notre deuxième vie, mais bon, deuxième vie ici ça devrait aller. Encore une porte. On essaye de monter, puis après on va essayer d'aller de retourner dans les abysses. Ok, ruée. Ok, c'est pas mal ça. J'en ai loupé. Ouais, j'en ai loupé. Ah merde! D'accord, en fait vous pouvez pas... Ok, rouge, ouais. Ça, avec un truc avec vert rouge, ok, ça marche. C'est la première fois qu'on voit cette salle là. Il est où? Ah, parce que je peux tirer à travers les parois, moi. Faut que je l'utilise, ça. Si je dis pas de conneries, celui-là, il a le tir à travers les parois. Ouais. Donc, ça aide. Ça aide beaucoup. Oh, là. Oh. Sur 15. Plus de dégâts ou augmente l'intégrité max. Ça on verra. C'est un cul-de-sac? Non, faut aller là-bas. Non,
J'aurais bien voulu ne pas me faire toucher, mais bon. Ah, une carabine avec énormément de dégâts et renforcée. Monter en régime, tu vois. Alors, on a monté en régime 1. Renforcé, c'est pas mal. Et les munitions sans suite 2. Ça peut être intéressant. C'est un gros soin, ça. Ça peut être intéressant. Là, on a... Prépare tous les dysfonctionnements. Ok, ça marche. Protection 10. Ça va, c'est que 200. On a fini ou pas? Non, on a cette porte là à faire pour se téléporter. On a un soin ici, un gros soin. Je voudrais bien en fait débloquer la sangsue pour voir si on peut tout simplement se soigner comme ça. Et après on récupère les soins par terre pour augmenter notre Vimax. Pas mal, nouvelle arme. Ah, c'est là qu'on va pas avoir la sangsue, c'est bien. Alors, là on a quoi? Alors, vassal, j'aime bien le vassal. Vassal, j'aime bien le vassal. Et pistolet, j'aime pas le pistolet. J'aime bien le vassal. Mais encore une fois, si on veut essayer de faire un bon run, je voudrais bien débloquer les munitions sangsue 2. Parce qu'en plus, il a beaucoup de dégâts. Donc bon. On va essayer de rester avec ça pendant un petit moment. Voir un peu ce que ça nous donne. Protection de 15, augmente de récupération de tir secondaire. Ouh, c'est bon ça. Première fois qu'on a un truc comme ça. Donc là, on a un soin. Ouais, c'est l'intégrité max. C'est quoi ça? Réduit les dés de récupération, réduit la protection de 10%. Alors là, non. Et on va prendre ça. Pas mal, nickel. Alors, on est full vie. On est full vie. Il est où le téléporteur, les gars? Du coup, on va... récupérer le soin par terre. Je sais pas si c'est bien dans le sens que je veux le faire, mais bon, c'est pour augmenter notre vie. Parce que là,
On est bien d'accord que... Voilà, maintenant, remplir l'emplacement d'amélioration. Okay. Si je suis pas plein, ça me soigne, voilà, tout simplement. Donc le but du jeu, c'est toujours d'être plein, en fait. Okay, très bien. C'était quelle porte, celle derrière? Non, celle-là. Alors je voudrais juste voir si on peut baisser le prix des objets. C'est vraiment bien. C'est quoi ça? Non, nique toi, bordel de merde. Pourquoi tu t'es accroché? Désolé, je m'énerve. Ça va me rendre fou, hein. Ça va me rendre fou, hein. Avoir un peu des quelques combats là, s'il vous plaît. C'est quoi ce que j'ai en tir secondaire, le flux? Bien joué. On a plus que des tourelles. Nick. Qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce qu'on rigole? Putain, on en met du temps à le débloquer, le... la censure. Parce qu'après, si on a la censure et qu'on arrive à se maintenir tout le temps en haut, on pourrait vraiment augmenter notre vie facilement. Il va venir le machin là. On a une créature qui est bloquée, je sais pas où. Ah, elle doit être là. Mais c'est tout corrompu. Ok, là c'est intéressant. Il faudrait casser les barrières. Ça marche. Mais non, j'étais pas dessus. Ah là 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 là. Oh là là, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux.
Je sens que je vais tout simplement arrêter d'utiliser ce truc. Mais après, je crois qu'il est vachement bien en fait. On peut voir. Récupération. Et c'est des flaques d'acide. Alors, confère 50% de chance de trouver de meilleurs matériaux sur les ennemis. Enfin, quoi qu'en fait, c'est pas extrêmement. J'aurais dû peut-être attendre avant de trouver une nouvelle arme. Enfin, avant d'ouvrir un coffre. Ramasser des objets vous inflige des dégâts. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Nickel. Nickel. Il y a un cube. Alors après, j'ai un truc pour enlever les dysfonctionnements. Parce qu'on peut pas l'utiliser. Hop. Très bien. Maintenant. Alors attendez, c'est bien ça. J'aurais dû peut-être regarder avant. Répare tous les dysfonctionnements, c'est ça. Voilà. Alors, le tracker avec le flux scindé, cartouche motivée, projection dentelée. Mais ouais, on a dit qu'on voulait tester les sangsues. Ah, du coup, on peut aller prendre le cube. J'en ai. J'en ai plein des cubes. Oui, on en avait déjà depuis le dernier cycle, du coup. On n'a jamais déposé parce qu'on n'a pas le. On n'avait pas trouvé le. L'endroit, je crois. Pas trop comment la jouer cette arme, faut que je vise plus en fait pour viser les parties sensibles, je pense. Bon, je crois qu'on a pas mal de bonus de réparation, donc c'est pour ça que je voudrais cumuler ça avec les sensus, parce que je pense que ça marche. Quasiment sûr que ça marche, le coup des sangsues et des réparations bonus. Mais ouais, c'est très très long à débloquer. Alors, on peut voir ce qu'il y a. Ouais, bof, pour l'instant, on n'a pas trop besoin d'argent. Mais c'est de la vie. Ouais, celui-là, ça va nous faire mal, mais on récupère des bons trucs. Ouf, toi, tu m'as mis vachement bas. Alors, apprends champ danger, parce que ça verrait bénéfique. Objet non déco... Ah oui, pardon. C'est quoi ça? La combinaison déclenche une explosion quand vous subissez un coup. Ouh, explosion réactive. Intéressant.
Parfait. Ouais, je dirais pas non. On va récupérer une relique. Sur choix, vous inflige des dégâts. Ça va être bien. Alors, tuer des ennemis 10. Ok, on peut voir un peu ce qu'on a. Là, on a converti les abus de ramasser en intégrité, déclenché une explosion d'énergie, étant sa protection ennemie en abonné. Ah, attends, là. Un 4. On a encore 600. C'était quel bonus que je voulais acheter? J'ai dit qu'il était vachement cher. Ah oui, c'est la vie en plus. Vous voyez qu'on 3 prochains coups, puis se détache. Ça peut être intéressant. Ça, on peut toujours pas y aller. Trois prochains coups, puis se détache. Ah, nickel. Très bien. Quoi? C'est très bien. Pas besoin. Ok, on a une salle là-bas. Alors, on devrait peut-être acheter le. On a quasiment 600. Ah oui, non, mais là j'ai pas le bouclier, le destructeur de bouclier là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a tout fait. On a fait tout ce qu'on voulait. Mais du coup, on est d'accord. Oh mon dieu. J'aille. Plus doucement. On n'est pas obligé de faire le boss, si? Non. Donc ça. Ah, ça te remet full vie, je savais pas ça. Pardon les deux points, fait par niveau de drain. Oh, ça c'est bien ça. Une attaque nouvelle plus puissante et brise les barrières jaunes. Même si, en théorie, bof. Mais bon, barrière jaune. Parce que je suis en train de me demander, on peut changer de biome, mais bah, ça reste toujours un point d'interrogation en fait. Est-ce qu'on peut vraiment?
Alors. Ça, par exemple, qui détache les parasites. Bon, ça, ça peut être intéressant pour plus tard. Ok. Du coup. Ah oui, on va être dans la... Dans la porte, là, où on peut tomber dans l'eau directement. Oui, on est bon. Il n'y a pas de boss à refaire ou quoi que ce soit. Mais... Si on monte, oui, on peut refaire le boss qui fait de la musique. Sinon, non. Vous voulez venir ou pas? Ok, attends, les objets disparaissent. Ah oui, j'ai plus le problème de la recharge. Je peux recharger normalement. J'ai eu peur. Il n'y a pas de machine de cube, on est d'accord. Hein. Qui est dispo là. Très bien. Ah là. C'est cube ça. Du coup, on pourrait se re-téléporter pour aller récupérer l'autre. Les ennemis lâchent davantage d'abolites quand ils sont éliminés. J'ai le téléporteur ici? Oui. On va aller récupérer le cube, je crois que... Je pense pas que ça soit très loin. Il était dans l'eau. Je crois que c'est là. Faut que je regarde les objets que j'ai là. Voir si, si on peut pas faire un truc intéressant. Alors, tâche d'avancer à la bolite. C'est pour transformer les projectiles et convertir les abolites ramassés en intégrité. Donc on pourrait faire ça. Le 2 et le 1 en fait, on pourrait le combiner si vraiment on veut se soigner full.
Les consommateurs ont 15% de chance d'être convertis, conservés pardon, après utilisation. Ah ça c'est bien. Ça me soigne quand je récupère des choses. Ah tiens, traduction terminée. Je vois à travers un rétroviseur d'ombre en tombant dans un lac de folie qui a laissé une cicatrice dans les profondeurs aquatiques. Il aurait mieux valu que certains monstres ne voient jamais le jour. Mère a menti à propos de la joie. Il n'y a que la douleur. Eh ben... Je me souviens encore de ce qu'elle disait. Cette femme qui utilise ma voix, mais qui n'est pas moi. Les plus profondes des profondeurs. Je la crois maintenant. Oui, c'était moi. J'ai causé la chute. Sacrifice exquis. Quand j'ai plongé dans les profondeurs, le sphinx englouti m'a posé cette énigme au péril de mon âme. Comment soigne-t-on une blessure dans un corps qui ne peut être soigné ? Ça, c'est l'endroit de la glace. On n'a plus le désert, en fait, vu que c'est devenu de la glace, on est d'accord? On peut revenir ou pas? Oh, merde. Oups. Normalement, on devrait arriver dans la... dans la grande zone. Là, on a un bon objet, là. On devrait utiliser le 3, en fait. Désert fracturé. Oui, la grande salle où on peut plonger directement. Oui, ça va. Okay. On peut toujours aller dans le dans les abysses. Ah oui, non, mais je peux pas revenir, en fait. Du coup, le soin, je me le tape sur le ventre. Éclaireuse, c'est être à la pointe de la découverte. Exactement. Une de mes spécialités est de penser aux connexions qui échappent aux autres, comme mon rapport de terrain le démontre. Okay. Non, je... Non. Quoi non? Non, les... Ils sont morts depuis longtemps. Oui, alors... je sais que c'est un aller simple. C'est pour ça que j'ai saigné. Rien ne me retient ici. Les planchers ou réparer des fonctions, réparer l'intégrité. On a des bons objets là. Notre réalité augmente le taux de maîtrise de 25%. Ouais, non, c'est pas vrai. On a une figurine d'astronaute qu'on pourrait prendre. Et on a surtout de l'intégrité en plus, 25%. Je pense qu'on va activer ça parce que ça c'est que de l'éther. Et on va faire cet endroit en fait. On va. On va essayer de le faire pour augmenter notre arme et tout ça. En plus, notre arme, on n'a toujours pas débloqué les sangsues. Les balles sangsues. Donc, autant... autant le faire. Donc, ouais. Autant s'amuser ici un peu. Ça, c'est quoi, ça? Fini. Oh, fait chier. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Il a failli faire de la merde, c'est bien.
Voilà ta maman. Truc à ma gauche. Ah! Toi qui est bloqué. Munition sans su, toujours pas fini. Si on attendait avant d'ouvrir le coffre, je sais pas. Genre qu'on ait plus de maîtrise, comme ça on a plus de chances de trouver une meilleure arme. C'est du soin, c'est bien. Ah la putain de sa mère. Ah là là. J'ai pas de d'esquive quoi. Mais putain. Pas de permettre. Attends, on a le reconstructeur. Ouais, on est bon. Oh la vache. Rend fou ce truc. On va le réactiver. Putain, le fait de pas avoir les sangsues encore, ça me rend fou. Merde, arrête de faire ça, bordel. Quoi le... ça. Ouais, je vais te... Ah, deux. Le fait de pas avoir les sangsues, hein, c'est... qu'est-ce que... j'espère qu'on va l'avoir bientôt, là. Mais elles me suivent sur les côtés, c'est ouf. J'arrête pas de gueuler. Ah là 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 là.
je l'ai tapé, hein. On a récupéré de la vie. Bon, ça a l'air de fonctionner. En fait, c'est l'arme hein, qui est pas le top top, quoi, maintenant. C'est un peu ça, le problème. Rempli. Ok. Le but, ça va surtout d'être d'avoir au moins 300 de vie. Allez, je suis quasiment plein en fait. Donc on va essayer de le faire avec la... Les animations, l'utilité complète, 65% de dégâts des armements. Oh la vache, ok. On va essayer d'avoir le... Comment s'appelle le 25% le 25% de vie en plus. Un objet à prendre. Ah la... Okay. Ouh la vache. Vingt-deux. Ah, niveau des dégâts. Ouais. Après, bon. Ça, ça vaut le coup en fait. Je sais pas. J'avoue que cette arme elle est bien parce qu'on peut... On peut récupérer de la vie, mais j'avoue que après niveau dégâts c'est pas trop ça. D'accord. Combien? 325. Okay. Peut y arriver. Ah
crois que là on a récupéré pas mal de vie par contre. Carabine, charge sous munition contre gros calibre. Okay. Avec le flux là, c'était pas mal. Pas jouer comme ça. Voilà, c'est bien. J'ai plus de... Faut tirer où sur eux? C'est pas, faut pas tirer au centre en fait, faut tirer sur les réacteurs sur les côtés je crois. Je suis pas sûr. Non. Je suis bloqué par tout et n'importe quoi, c'est ouf. Incroyable. Bon, là c'est pas mal. Là on est full vie. Là on est full vie. Mais attendez, c'est de l'eau. Cool. Alors... On a 361. Et je crois que on se soigne hein, quand on récupère 25%. On se soigne full. Donc à la limite, c'est pas mal. Ça, très bien. Alors, il nous reste plus que effectuer une mission de mêlée. Il en faut une encore. Je voudrais bien tuer un truc avant de faire la combinaison parce que on a moins 65% de dégâts honnêtement. Ouais, ça fait mal quoi. Donc je voudrais bien tuer un machin. Enfin mais c'est oui, répare les intégrités inhibe l'utilisation de ressources cycliques. Juste tuer un truc. En mêlée. Des lasers ici. Oh là là, le bordel. Attends.
Mais... je l'ai fait 150 fois, ce truc. Jamais eu de problème. Enfin, sans... oui, non. Je suis passé quand même beaucoup à côté comme ça en tombant. La vitesse des dégâts des armes de 25 pour les 15 prochaines éliminations. Consomme une grande quantité de maîtrise dans ce détachement. Ouais, mais on est déjà au max, hein. Donc, enfin, je crois, hein, je crois qu'on pas qu'on soit. Alors. Il y a celui-là à la limite qu'on pourrait enlever. Que je... même ça, en fait, il y en a ces deux-là, on pourrait les enlever. 15% la protection. Si je perds ma protection, je vais pleurer. Du coup... secondes plus de plus, non, ça m'intéresse pas. À la limite, on pourrait tenter de s'enlever des parasites. Ça peut être une solution. Celui que je veux absolument pas perdre, c'est celui-là qui augmente la protection, en fait. Après, le reste, pas bas. Ouais, on a la protection. Toi, tu faisais... ouais, non, toi, t'es dangereux. Toi, t'es trop dangereux, en fait. Du coup, je suis toujours... oui, maintenant, je suis max en vie, donc je suis toujours en... en dégâts en moins. Les ennemis lâchent davantage de... quand ils sont éliminés. Là, c'est de la résine. Hein. Faut qu'on tue un truc et après on ferait la... on fait la... ah, c'est une bibliothèque, ça. C'est une bibliothèque. Je crois qu'il y a des parasites. On va peut-être avoir des parasites là-dedans. Là. Ah. Ok. Alors je vais être honnête, là ça va faire quoi, 1h20 qu'on est dessus sur ce run. Et j'avoue qu'on est bien en puissance, quoi. Ça ferait vraiment chier de perdre le run.
T'as pu peut-être essayer de me tuer. Ouais, c'est de la merde. C'est la merde, hein. Quand on est full vie, froid, les dégâts, alors déjà qu'ils sont pas fameux avec le machin, alors là... Ah oui, l'empaleur. Je veux bien prendre l'empaleur. Oh la vache, putain, merde. Ah, ça rend fou de pas trouver genre juste des ennemis un peu bof quoi. Genre histoire de juste de tuer un machin quoi. Genre au corps à corps. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui volent ici au final. Laser, laser, laser. Super. Ok, nickel. Alors. Ah oui, non. Honnêtement, non. Honnêtement, bof, non. Ouh, la vache, je vais me prendre. Honnêtement, j'ai peut-être pas très envie, au final. Ah oui, c'est vrai que... Ouais, c'est le truc qu'on peut pas passer à travers. Évidemment. Non, voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on fait la combinaison? Ça, ma question. Est-ce qu'on fait la combinaison? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Précision de la traduction pour ça. J'ai vu la cascade d'Icor, des membres vides qui s'étendent vers l'extérieur. Le créateur destructeur sombra dans le bassin. Le regret fut noyé ici avec un souvenir refoulé de fauteuils roulants qui attend à la fin. Son nom se trouve au début. Bizarre. Toi. Pas mal. Non, fais-moi rêver.
Pas vraiment. Non. Là, il faut repasser en plus, bordel. Bon, l'artefact en valait la peine. Il nous reste 126. Je dirais pas non pour le cosmonaute. On essaye de récupérer le cosmonaute et on passe à la suite. On retourne dans les abysses. Je crois qu'il était là, le... l'atelier. C'est pas mal aussi. Ce n'est pas là. Bon, je crois qu'on va aller dans les abysses, comme ça on avance. On n'a même pas vu à quoi ressemble le boss des abysses, honnêtement. On est mort avant, en fait. On est mort sur un mini-boss. Ok, let's go. On a deux fioles. Ombre blanche, ignorant l'inévitable, cette fois j'agis sans penser et tends la main vers l'enfant perdu. Ma négligence est la raison de ma présence ici. Les ombres noires vacillantes de ma culpabilité prennent la forme d'un astronaute qui est devenu le placenta cosmique. Ok, ça marche. Ça m'aide, hein, c'est descriptif. Je reconnais tout ça. Donc je sais ce qui m'attend au fond. Ah ouais? Putain, je l'ai pas vu quelque chose. Sur la carte. Nickel. Alors je vais être honnête avec ma thalassophobie là. Les grands fonds et tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Donc je vais surtout, je pense, regarder le sol. Comme ça, ça fait l'illusion qu'on n'est pas dans l'eau, qu'on est juste tout simplement sur des plateformes. Voilà, c'est tout. Ok. Donc c'est un peu gavant pour moi, mais bon. Alors, on a électrobaliseur, vitesse et projectile, exterminateur, c'est nouveau ça, tu vois un peu. Bon, on va dire que le soin, c'est quand même vachement pratique. On essaye de rester un peu de loin et tout ça, donc ce serait bien de pouvoir récupérer le même. Augmente les dégâts du réseau quand les PV des ennemis sont bas. Plus de chance de balancer de la résine. Celui-là, il m'embête en fait, parce que ça risque d'être du nocif à chaque fois. On peut prendre ça, ça serait peut-être bien. Faut voir.
dessus. Tu peux pas te faire voir, honnêtement. Ouais, c'est pas mal les dégâts. Après, exterminateur, c'est intéressant, hein, parce que c'est des bons dégâts tout ça. C'est un objet explosif, là, le secondaire. Résine avariée, ça vaut le coup de la manger. Bah, genre, ces trucs-là, genre résine avariée, avariée, avec l'autre arme, si on peut toujours se remettre de la vie, c'est intéressant. C'est pour ça que ça aide, quoi. Genre, vas-y, on va la prendre, on va voir. Voilà, là, j'ai pris des dégâts. Donc, on pourrait se soigner avec ça. Quels sont les dégâts des armes lorsqu'ils mobiles sont. Pas de monstre. Éther. Fabriquer des objets, répare une petite partie de l'intégrité. Allez. On peut en avoir combien au maximum d'objets? Là on a trois petits soins, honnêtement c'est vraiment pas mal. Nickel, nickel, nickel. Pas mal ce jeu. Cette zone. Ah, attends, il y a des coffres en bas. Alors, oh, on a une créature. Carabine avec chargeur soumission, coup critique mouton en régime. Munition sans su, c'est quand même vachement bien. Alors, munition sans su 2. Ah! Ah, on a la même et mieux. Bon, obus, c'est bien. On l'a au niveau 25, en fait. Munitions sans su, c'est ce qu'il nous faut. Par contre, oui, on n'a pas la protection. Ouais, on n'a pas la protection. Je crois qu'on avait 35. Alors, monter en régime, hyper précision. Améliore grandement la précision et le recul. Corriger, préoccuper une chance d'infliger des dégâts supplémentaires. Munitions sans su. Bon, bah, très bien. Limite de surchauffe, vitesse de projectile. Les dégâts, c'est plus ou moins pareil. Après, je me demande si... Non, je pense qu'ils ont fait ça simple. C'est-à-dire que bah, les dégâts, c'est par d'écran. En fait, des petites cases, là. Et même si, genre, elle est 25... l'arme, elle est 25 et l'autre, elle est 5. Bah, si elle a pas, genre, tout en attaque, bah, la 5, elle pourrait être mieux, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est ça, je crois qu'ils ont fait tout bête. Hein. Bah, ce qui est pas mal, hein, comme ça c'est simple. Il y a une créature qui se balade. J'aime pas cet endroit.
Mais bon, mais bon. Plus un dé. C'est nouveau ça. Oh la merde, va te faire en... Pardon. Ah oui, 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 les points, les points, les points. Oh la vache, quelle merde. j'ai crois que j'ai tout loupé. Bon, après, on s'en est bien tiré niveau vie, tout ça, mais je crois que j'ai complètement tout loupé. Niveau points. Je vais attendre qu'il vienne parce que là... Ou alors qu'il arrête de faire sa merde. Hop. Ok, qu'on récupère quelques trucs parce que là c'est un peu carnage quand même. Un peu carnage dans le sens où on récupère que dalle. Deux éthers, c'est très bien. Il y a un truc en haut en fait. Bravo. Là, on entend quoi? Un bébé pleurer? Un enfant pleurer? Parce que je me demande si on peut pas savoir le contenu en écoutant. Honnêtement, j'ai pas envie de me prendre la tête avec la... avec les dysfonctionnements ici. Oh la vache. D'accord qu'il est protégé là en fait. Oh la vache. Ok, on peut se calmer. Monte la probabilité de dysfonctionnement, augmente l'efficacité de la réparation de 20%.
Ouais, vu qu'on va pas. On va pas trop prendre de dysfonctionnement parce que j'ai peur que ça me foute trop dans la merde. Parce qu'on est quand même. Là on est bien, niveau stats, niveau tout. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête. On a 200. On a 200. Si on allait acheter. Je sais pas comment on fait par contre. Si on allait acheter le. L'astronaute. Ou alors ça. Ah non, c'est normal, ok. Y a pas besoin de payer. Ok, ça c'est top. Je dirais pas non pour l'astronaute. Comment je fais pour remonter? Honnêtement, ils auraient pas pu faire pire, quoi. De faire ça dans la dans l'eau, quoi. Toi, t'es pas... Barrage vertical. Un disperseur avec un nuage d'acide. Ok. Ouais, on va rester avec les munitions pour l'instant. Mais ouais, c'est intéressant. Ouf. Ok, ça va. Sur ça, aussi, il réduit le délai de récupération du tir secondaire de 3 secondes. Non, ça ne m'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est qu'on n'a pas trop d'argent à gaspiller, en fait. Bah du coup, je voudrais repartir. Donc c'est là. Je voudrais voir, ouais, comment... Est-ce que je veux changer de biome en fait? Revenir dans... C'était quoi? C'était la glace? Il n'y a pas de téléporteur là. Non, je peux pas en fait. Si je dis pas de conneries, je peux pas parce que j'ai pas de téléporteur. Container, route... Ouais, non. Non, non, on est bloqué là. Donc du coup, on est bloqué dans les biomes, si je dis pas de bêtises. Des créatures partout. Bah alors les points ils vont attendre. Les petites pièces elles vont attendre. Ça va, c'est pas chiant ces monstres là. Pas chiant du tout. Bon bah on va attendre. C'est bon?
Ça aussi c'est pas mal parce que les têtes chercheuses vont directement sur les ennemis quand on est à de l'adrénaline élevée. Améliore grandement la précision et le recul. Donc maintenant on a ça qui est déverrouillé. Ouais, il y a plus de... Normalement, il y a de l'oscillation. Oscillation. Merde, tout ça. Développement d'explosion d'énergie transformée, machin. C'est quoi le troisième que j'ai ? Trois. Les ennemis ont une chance de lâcher de la résine. Okay. Du coup, là, il n'y en a plus du tout. Là, ça va, on est complètement précis, en fait. C'est pas mal. Oui, pour tirer de loin, c'est quand même vachement utile, j'avoue. J'avoue. Après, ils sont sympas parce que vu qu'on est dans l'eau et qu'il y a des abîmes et tout ça. Les pièces elles tombent sur le robot en fait. La plupart du temps, donc ça c'est bien ça. Bon, sympa pour ça. On va attendre. C'est un coffre sûrement d'armes du coup ça. Donc c'est pas intéressant pour moi vraiment. Je crois que si ça crie et tout ça, c'est peut-être un objet en fait. C'est peut-être pas. Peut-être pas une arme en fait. Genre les coffres là, s'ils crient. Tiens, il y a un objet là-bas. Intéressant. Mais je vois pas vraiment avec la profondeur. Là. Ouais, j'imagine que je peux tomber, me laisser tomber et dasher, mais ouais, non, ça va. En fait, on se débrouille tellement bien là que j'ai vraiment pas envie de prendre trop de risques. Même les portes bleues, j'ai limite plus trop envie d'y aller, je suis pas trop certain en fait. Ah, fait chier, y a ça. Parce que là, en fait, si je prends pas la porte bleue, en fait, je vais pas faire demi-tour avec ces trucs derrière. Quoi. On va voir la porte bleue. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans, vite fait. Ah ok. Oh bien. C'est bien ça. Ok cool. Bon, on n'a pas d'astronaute mais on a ça. Alors va bien te faire mettre quand même. Oh merde, c'est un truc vert. Ok, on est bon. J'ai eu une clé. Ok, c'est pas mal. Portail. Wow. C'est quoi ça? Taux de maîtrise de 15%. Ouais, bof. Le taux de maîtrise de 15%. Honnêtement, non. Parce que bon, déjà, on n'a pas trop de points. On a
j'ai pas trop de pièces d'algolithes. Mais enfin, trouver une meilleure arme qui fait pareil avec la sensuée et tout ça, ça va être compliqué. Hein. Déjà, on a eu de la chance d'en trouver une qui est niveau élevé. Parce que oui, on va surtout trouver ça. Alors, fais voir. Les tirs réussis génèrent des abolites. Ouh, c'est pas mal ça. Pas mal. Ils sont pas extrêmement durs si on reste proche, mais bah le problème c'est de rester proche en fait. Oh merde, putain, ça arrive. Pas très fait attention. Bordel, regarde ton putain de radar. Je parle à moi. Ok, bon là ça a l'air le bordel, on va attendre un peu. On a quoi là? Bien. Réduit les coûts. Est-ce que la chaîne disparaisse? Non. C'est bon. De toute façon, on en a déjà des machins. Alors, objet personnel semble créer un lien positif entre l'éther et la protection. Ça au final ça devient intéressant parce que là on a 3 soins en fait. Ouais, il n'y a que celui-là que je voudrais à la limite enlever. Confère 50% de chance de trouver des meilleurs matériaux. Enfin quoique, meilleurs matériaux, je sais pas, encore une fois, je sais pas encore à quoi ça correspond. On va prendre ça. Donc en théorie on devrait avoir un... Merde, il y avait un truc aussi là. Ah non. Bien. Donc là, on a eu... Toki Walkie. Alors l'éther et la protection. Donc on a pas mal d'éther, donc du coup on a 45 de protection. C'est quoi ça? Coquelico. Ok, je sais pas ce que c'est. Ok.
Ok, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Là, c'est d'où on vient. Là, c'est d'où on vient. Ok, nous, on devrait aller là. Ça, c'est quoi, ça? C'est mon archive. C'est nos archives. Ouais, il y a les attaques aussi, mais les attaques on les gardera sur pour le boss. On va en bas? Ah mais je crois qu'on peut aller en bas en fait. Pas besoin de viser ça en fait. Ouais, ok. Ok, archive sous-marée, on n'y est jamais allé, hein. Je crois. Eh ben, c'est moche. C'est très moche, hein. Très très moche, j'aime pas l'architecture. Faites des trucs moches. L'astronaute me suit-il? Ou est-ce moi qui le suis? Ah, des questions comme ça qu'on... Ah, ça rend fou ce genre de questions. Alors... Fosse infernale où les destins des sectionnés du créateur destructeur et de l'astronaute se déconnectent, se délitent et forment une tapisserie. Le seul moyen de purger les ténèbres intérieures et de détruire ce qui repose au fond. Je descends vers la voiture engloutie. Honnêtement, si c'est pas vie, augmentation de vie, on va rien prendre. Promesse faite, promesse retenue. Il y a des trucs en haut là ou pas? Non. Cassos. Ah c'était bien, on en a appris des choses. Je pense qu'on peut la... atteindre par là. Attendez. Shrapnel. Ok, c'est par où du coup le pour continuer? C'est ça. Ok, c'est en face. On va devoir mettre fin à notre épisode. Honnêtement, là, c'était un bon épisode. On peut remourir. Donc, on a le... On va passer cette porte-là et on va s'arrêter. On peut pas sauter directement et tout esquiver. Ok, on a des... On va pas le voir. On s'en fout. Ouh, ça sent le boss en fait. Dans ces profondeurs,
Il est impossible de voir le soleil. Quand je ferme les paupières, des lumières écarlates me regardent. Je plonge plus profondément à présent. Mais si rien ne m'attend là-bas, si le puits continue sans fin, et s'il ne me reste d'autre choix qu'un retour à Helios, une autre fin, un autre commencement, et mon foyer dans le cycle. Ouais, je vais être honnête, si je devais me retaper des fonds marins et tout ça à chaque fois, je resterais dans Helios. Hein. Même à tout jamais, vraiment, ça me dérange pas plus que ça. Genre Cthulhu, tout ça, là, les dieux cruels qui nous tourmentent. Bah, ils vont me regarder me toucher dans Helios. Hein. Je bouge pas de là-bas, moi, hein. Laisse tomber. Hein. Ça va pas la tête. C'est quoi ça? Quoi? C'est quoi ce qui vient de se passer là? Anneaux, ils vont. Ah mais c'est lui, d'accord. Ah. Putain. C'est lui qui m'avait tué. La lampe à l'heure, ça marche bien. Ça fait pas mal de dégâts. C'est lui qui m'avait tué la dernière fois. Pourquoi j'ai eu un dysfonctionnement? Pourquoi j'ai eu deux dysfonctionnements? C'est lui qui m'a donné des dysfonctionnements en fait. On a 4 en pâleur. Alors, l'arme niveau 25, elle a un nuage d'acide. Ouais, non, c'est pas intéressant. Réparer les dégâts intégrité modérée, mais affecté par... On va se soigner. Hein. Ouvrir le conteneur, fabriquer des objets. C'est surcharge, vous infligez des dégâts, les intégrités complètes, moins 75% de dégâts. J'ai fait un soin, il a pas été compté je crois, ça c'est cool, c'est le 20% là. Ouais, j'ai fait un soin, j'ai fait une fois deux piques, une fois ou deux fois les piques là. Bon, on va se soigner comme ça. On est quand même vachement bas en vie. Ah il est chaud ce machin hein. Ah, c'est une nouvelle arme. Lanceur de pyrocharge. Mine de proximité. Dégâts. Explosion secondaire. Ah putain, quel débile. Débile. Projectile explose deux fois. C'est pas mal, mais... Pour le moment, non. Faut pas que je recharge. Par-delà la fissure du monde, le dormeur des profondeurs fait l'ascension de rêves dangereux. Il a offert des réponses à la conscience collective, mais cela les a sectionnés. Il a offert aux sectionnés la divinité, mais cela les a rendus infirmes. Moi, il ne m'a encore rien offert. Pourquoi bon. Reste-t-il silencieux? Bah, tant mieux. Après tout ce que j'ai fait, suis-je toujours indigne de lui? Ok, j'ai bien sûr un moins nécessaire pour augmenter au niveau de la mêlée, augmente grandement les délais de récupération de mêlée et les délais de récupération de la ruée. Non. Juste non. Putain, par contre, ça c'est... Si on doit se taper un boss et que je peux pas recharger, que je me prends des dégâts à chaque fois que je recharge,
ça va être un problème. Réinitialiser instantanément le délai de récupération des tirs secondaires. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, au final, on finit. J'accepte ce sacrifice. Quoi? Oh, c'est quoi ça? Nouvel équipement? Oh, oh la vache. Ça va, c'est sur ton casque. Ça pourrait pas être de la protection, des trucs, genre que ça me rende vraiment plus puissant. Parce qu'au final, on n'est pas très puissant. Des visions du futur. Ou des visions du passé. Des visions. Ouais. Ce sont exactement les mêmes. Alors, vous pouvez désormais voir les orbes luminescentes tirées dessus pour révéler les plateformes cachées. Ah, ok, c'est ce qui nous manquait là, où il y a des grands précipices. Ça reste indéfiniment ou pas? Non, on va attendre un peu. Bah, ça a l'air de rester indéfiniment. Ok. Je sais peut-être. Possible que ça soit le dernier atout qu'on ait, parce que bah oui, je pense, oui c'est le dernier. Après il y a un truc là et il manque un objet. Oui parce que normalement on pourrait aller à où il y a une archive où il y a un grand trou comme ça. Je crois que c'est l'archive du premier biome en fait. Et bah du coup on pourrait aller voir. Oh merde! Les yeux. J'ai besoin de parler. Je sais que je n'en finis pas de repousser tout ça, mais tout est allé beaucoup trop loin cette fois. C'est là que je suis censée dire que je suis désolée. Mais je ne me sens pas désolée. Je sais. Mais ça sonne si vide, si creux. Bah le dis pas. C'est quoi cette ombre à l'intérieur de moi? J'ai déjà ressenti ça, je ne peux pas le décrire. Sauf que cette sensation... Si je lui donne un nom... Est-ce que ça la fera partir? C'est pas grave, hein, de... Pas besoin de... Attends, être comme ça, hein. Ah chaud. On est bon. J'ai vu qu'il y avait un passage sur le côté là. Ouais, il y a ça là. Mais ouais non. Le problème c'est que là on va sûrement pas combattre de créatures, donc se remettre de la vie en tirant avec les tirs sans su, ça va être compliqué. Alors, sombrer dans les profondeurs. Ah, super. Ouf. Ça serait bien, ça. Hein. Augmente encore l'intégrité.
J'ai bien envie de prendre encore du soin en plus, honnêtement. On sait pas trop ce qui nous attend. On a que 140. Donc autant... autant se... Ouais. Bon, par contre, on va arrêter ici parce que... Sinon, je vais continuer. Je sais pas, en fait, s'il y a une fin aux abysses. Y a, après, là, on va avoir un boss ou pas. Est-ce que ça continue encore? Donc, ouais. On va continuer la prochaine fois. Honnêtement, c'est super bien passé. Je suis content. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. À la prochaine. Ciao.